Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui parce que je vais faire donc la petite ATC qui va aller avec la carte que je vous ai fait hier. En sachant que moi je tourne le même jour. Hein. Voilà. Donc j'ai fait ma base d'ATC comme ça, que j'ai mis en trois papiers de matage. Hein. Enfin, deux matages plus le papier du... Oh, ça y est, j'en perds mes mots. Mon sujet, plus deux papiers de matage. Voilà, je vais y arriver. Donc, ça va être à peu près la même chose. Sauf qu'on va travailler avec les tout petits dies d'action sur le thème de Noël. Où on a tous les petits, toutes les petites figurines comme ça, là. Voilà. Donc, moi, j'ai pris le petit cerf, évidemment. Et j'ai fait... On va faire la tête du Père Noël. Bah oui. Sur la carte, on a le traîneau, mais on n'a pas le Père Noël. Alors, on va faire le Père Noël ensemble. Allez, on descend. Hop. Voilà. Donc, j'ai coupé tous mes petits éléments. Pareil que je vais coloriser. Hein. Donc, bah, il n'y a pas grand-chose, par contre, à coloriser. On va faire le chapeau. Parce que le chapeau, il est rouge, sauf... Le pompon qui est blanc. J'aurais dû mettre ça là-dessus quand même parce que j'ai pas envie d'abîmer le papier. Ah mince. D'abîmer le papier sur lequel je l'ai posé. Hop. Je cache le pompon. Voilà. Parce que je vous la fais en même temps en continuité aujourd'hui. Parce que demain, je sais pas. On sait pas. Voilà. Donc, on a le bord du bonnet qui ira se mettre au bord, mais qui reste blanc. La petite tête. Voilà, pour l'attraper. Voilà. Là, c'est la tête du Père Noël. Donc, je vais la faire en couleur peau. Et pour la couleur peau, j'ai pris le 107. La dernière fois, je cherchais un feutre couleur peau et... Bon, voilà. J'avais oublié que j'avais ça. Voilà. Oh. Hop. Et le reste, ça reste blanc. À part le petit nez, pareil. Alors, le petit nez, parce qu'on a deux petits ronds. Je vais essayer de vous faire montrer. Ah, j'ai perdu un cil. Parce que le Père Noël, il a aussi ses cils. Je vais essayer de vous faire montrer comme ça. Vous voyez, on a deux petits ronds. Donc, le plus gros, c'est pour remettre juste à poser sur le bonnet. Et le plus petit, avec un tout petit... C'est pas un trou, mais de l'embossage, c'est le nez. Alors, le nez, on va le faire en rouge. Pour ça, je vais essayer de le ramener là, sans le perdre. Donc, il faut que je prenne un peu de colle. Après, c'est le même système hein, que la carte. Hein. Je fais sur du papier blanc. Et après, hop, je viens mettre en couleur. Je trouve que c'est super bien. Non, c'est pas la bonne mine. Hop. Donc, je viens faire le nez. J'appuie dessus, hein, simplement. Voilà. Donc, la tête du Père Noël est faite. Donc, je vais mettre le Père Noël par ici. Donc, je vais déjà coller sa barbe qui reste blanche. Donc, voilà. Hein. Ah oui, reste blanc la barbe du Père Noël. Hein. Ah oui, oui. Ensuite, j'ai fait un petit sentiment Merry Christmas. Mais le tout petit qu'on a eu... On a eu des dies l'année dernière avec les tampons là, à l'envers évidemment. Hop, je colle la barbe. Donc, je suis venue faire un petit sentiment comme ça. Parce que bon, je ne peux pas mettre de gros sentiments sur une ATC. Et oui, je fais une ATC. Et oui, ça m'arrive de temps en temps. J'en fais pas souvent, mais ça m'arrive. Et là, comme il me restait un bout de papier étoilé quand j'ai fait ma carte, je me suis dit, allez hop, je fais une ATC avec. Et voilà, ça sera très bien. Ah, mais cette colle, mon vieux. Voilà, celle-ci, hein, par rapport à la Tati Glue, c'est vrai que elle est plus longue à sécher. Hein. Donc là, j'ai mis un petit bout de truc, je l'enlève. La tête, on va la remonter un petit peu, mais pas trop. Voilà, on va coller bah, le petit chapeau. Hop.
Après, c'est vrai, je vous fais un vidéo collage et colorisation. Donc, on a mis le petit chapeau. Regardez, ça nous donne déjà ça. C'est pas trop chou, ça? Bah, si, c'est trop chou. Ensuite, on a... Alors, le petit nez, on va le mettre après quand on aura mis la moustache. Je vais mettre le bord du chapeau qui est blanc. Hein. Donc, c'est une petite pièce comme ça. Voilà. Hop. Un petit peu de colle. Ensuite, il ne faut pas se tromper de sens. Parce qu'il y a un sens. Ah, bah ouais, il y a un sens. Hein. Bah oui. Ils ont fait ça bien cette année, Action. Bon. C'est des très beaux dailles. Moi, franchement, je dis, j'adore. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Bon, c'est du boulot. Parce que, ouais. Mais vraiment, j'aime. J'aime énormément le rendu des petits dailles. Hein. Bon, j'ai pas encore monté ni la cheminée ni la maison. J'ai pris la cheminée et la maison. Bon, après, si vous voulez que je vous le fasse en vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Donc, je mets la petite moustache. Le petit nez qui est là. Alors, je vais venir mettre un tout petit peu, mais vraiment minime. Hein. La colle, vraiment. J'ai remis de la colle dans mon bidon. Ah bah oui. Ah, j'ai plus de colle sur mon pic-pic. Hop, j'en prends un tout petit peu. Hop, le petit nez. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être la colle du... Voilà. Ensuite, les petits cils. Ah oui, les petits cils. Hein. Vous les collez aussi. Alors, je vais mettre la colle directement sur mon Père Noël. Hop. Voilà, là ça a tendance maintenant du coup, trop coulé, hein, oui. Hop. Voilà, l'autre. Après franchement, une fois qu'on a pris l'habitude de travailler les petits éléments, là, franchement, c'est nickel, hein. Alors je vais y mettre bien droit quand même, parce que le pauvre Père Noël... Voilà, hop. Ça avec le picot, c'est impeccable. Et on va rajouter donc le petit point blanc sur le chapeau. C'est chapeau 3D, petit point en plus. Hop. Et voilà. Donc là, j'ai un petit... Je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Et voilà, notre Père Noël, la tête du Père Noël est terminée. Alors maintenant, je vais faire mon petit cerf. Donc pareil, je vais le coloriser en marron clair. Et je ferai les bois en marron un peu plus foncé. Bon, ça va vite, hein, hop. Ah oui. Ça m'embête parce que par contre sur le cerf, hein, bon bah on voit un peu les yeux au niveau de parce que ça s'embosse un peu, mais pas tant que je voudrais. Donc, ce que je vais faire moi, c'est que je vais y rajouter après des petits yeux. Ah bah oui, hop, allez, on colle le petit cerf. Hop. Je vais le mettre vers le bas, le petit cerf, comme ça. Voilà. Hop, le petit cerf. Ensuite, on va lui faire les petites cornes en foncé. Là, pareil, lui, il a aussi une petite, un petit nez. Hein. Faire attention, c'est tout petit. Bon, je me répète, mais c'est vrai, c'est tout petit. Hop. C'est pas marron, ça, dit. Ah non, c'est pas marron. Mais c'est pas marron. Ah, c'est pas possible. Je me suis trompée de feutre. Pas possible, ça. Ah, il est là. Voilà.
Alors, on va voir si on refait par-dessus. Ouais, ça va. Ça va couvrir. Hop. Voilà, petite corne. Bien sur les côtés. La deuxième. Hop. Oui, ça va vite, hein. Vraiment. Hop. Maintenant, on va venir lui coller. Bah oui. On va venir lui coller ses cornes. Hop, un petit peu de colle. J'en profite pour vous faire une vidéo parce que. Bah, parce que les filles sont pas là déjà. Elles sont parties en ville s'offrir un cadeau d'anniversaire. Elles ont l'habitude de s'offrir un petit cadeau à chacune. Enfin, voilà quoi. Donc, elles sont parties s'acheter un petit cadeau d'anniversaire. Parce que leur anniversaire, c'était dimanche. Et elles ont eu 16 ans. Comment vous dire qu'on prend un petit coup de vieux? Non, c'est pas la peine de vous le dire. Pour ceux qui y passent. Ah, j'ai perdu mon truc. Ah, bah bravo. Non, mais je rêve. Mais non, tu colles pas là. Bon. Je la prendrai à la main parce qu'elle est assez grosse. Hop. Les petites cornes. Ensuite, la petite bouche que je vais faire aussi du coup. En marron foncé, que je me gourre pas avec le rose, hein, parce que ça ne va pas, ça. Mon renne avec des cornes roses, on n'a jamais vu ça, dit. Ça va pas, ça, hein. Non, non, non. Hop. Donc oui, pour moi, on est toujours mercredi. On a, ouais. On a quand même beau temps. Même si c'est un peu brouillé, là, on doit avoir un nuage qui pèse, un nuage. Je suis contente parce que je peux mettre mon linge séché dehors. Et ça, c'est génial, vraiment. On n'allume pas le chauffage encore. Ça, ça l'est encore plus. Donc, le petit renne. Hop, voilà. Le petit nez de Rodolphe. En rouge. Ah bah oui. Hein. On va mettre ça là. Hop. Voilà. Ah, par contre, je vais faire, je l'attrape avec mon pic-pic. Alors, le petit nez. Hop. Non, il va pas là, le petit nez. Il va sur la petite bouche. Ah, je sais même pas parce que... Là, maintenant, du coup, je l'ai rempli. La colle, elle a tendance à sortir toute seule. Si j'en avais, c'est bon. Hop. Son petit nez. Voilà. Comme ça. Et comme je vous dis, on voit pas bien les yeux. Hein. Voilà. Donc, je prends un fine liner comme ça, là. Avec une huchée action. Et je vais venir lui faire... Deux petits yeux. Oh, il est trop chou. Donc voilà. Comme ceci. Ensuite, je vous ai dit, j'ai fait un petit sentiment avec cette planche-là de l'année dernière. Celui-là, là, je l'aimais bien. J'aime bien parce qu'il est en... Il est incurvé comme ça. J'aime beaucoup. Donc, je vais venir mettre le petit sentiment. Mais là, je trouve que ça fait quand même vide. Alors, je sais pas trop ce que je vais rajouter. Voilà. Hop. Que j'ai ancré autour en bleu aussi. Voilà. Donc je trouve que ça fait un peu vide. Donc je regarde ce que je rajoute et je vous reprends. Alors voilà. Alors je vais rajouter alors ce que j'ai colorisé et tout, puisqu'on l'a déjà fait, hein. Découpé en blanc, colorisé. Donc j'ai colorisé le petit sapin. Je lui ai rajouté du coup, parce qu'il me restait des étoiles de la carte. Du coup, c'est ça qui est bien de garder ces petites découpes. Parce que voilà. Donc je vais rajouter une petite étoile à ce petit sapin. Je vais venir le mettre en bas. Voilà, comme ça. Je vais coller là-dessus.
Hop, voilà, ça c'est bien. Et puis du coup, bah, j'ai refait deux petits cadeaux qu'on avait fait dans le traîneau. Pour faire un rappel, hein, toujours. Et oh, je vais les coller au pied du sapin. Bon, après, c'est vrai, j'ai pas mis le petit nœud, j'ai pas... Mais bon, voilà. Les petits cadeaux au pied du sapin, comme ça. L'autre petit cadeau. Je voudrais vous faire une vidéo qui est pas trop longue cette fois, parce que bon, pour la carte, déjà, ça avait pris un peu de temps, mais bon, j'étais obligée de faire un... Voilà, hop. Je replace ça parce qu'il n'était pas très droit. Voilà. Mais c'est pas possible ça, dites donc. Même pour une ATC, ça va me casser les pieds. Voilà. Hop, on remet le petit cadeau. Et voilà, ma petite ATC. Assortie à la carte. Hop, je reprends la carte du coup. Bah oui, je me lasse pas de la regarder. Franchement, je la trouve trop belle. Donc voilà, la carte et son ATC. Bon, j'ai pas mis la lune parce que bah, ça faisait un peu grand. Voilà, et puis je voulais changer un peu. Donc voilà, le combo carte ATC. Hop, pour Noël. Voilà, il va falloir que j'en fasse d'autres, hein, parce que, voilà, hein, hop, comme ça, ça sera joliment bien fait. Je rebouche un peu mon matériel, hop, je vous remonte. Bon, je vous la montre en vrai, en face. Bah oui, parce que je vais bien pas montrer en face. Hein. Bah oui. Alors, je fais attention, hop, la petite ATC, toute simple, hein, vraiment toute simple, et la carte. Après, je me demande si je ne vais pas rajouter la lune ici. Je me demande. Je verrai. Je vais voir. Mais bon, pour l'instant, comme ça, c'est bien. J'aime bien. Et puis, voilà. Hein. Donc, sur ce, mes amis, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Faites bien attention à vous. Ça, c'est le primordial. Et puis, ben, un petit like, un petit com, un petit abonnement. On n'oublie pas la petite cloche. Et... puis voilà, vous faites comme vous voulez. Allez, je vous fais des gros bisous. À bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.